Deux pour le prix d'une en fait, hein. C'est pas mal. Bonjour, bienvenue Ludo pour Essai Libre. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et alors là aujourd'hui, encore plus particulièrement, je déborde d'enthousiasme. Vous avez vu dans la vignette BMW Z8 et on va en parler en détail avec son proprio, à savoir notre ami Artus. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, bienvenue merci. Ici. Dans un temps idéal quand même pour aller rouler en Z8 et cabriolet notamment. C'est magnifique. Un beau temps pour le cabriolet. Alors je disais en intro que je déborde d'enthousiasme, parce que comment ne pas être enthousiaste? Les passionnés, vous me direz au bout de la caméra, vous me direz dans les commentaires, parce que là c'est pas possible, c'est plus de l'automobile, c'est non. De l'art automobile, et c'est différent. C'est une pièce de collection. C'est une pièce de collection, mais qu'est-ce que c'est beau, bon Dieu! C'est certainement une des plus belles créations de BMW, sincèrement. Oui. Oh bah moi je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Après, si on marche sur les anciennes, il y a de très très beaux modèles, hein, comme celle qui a servi de base, la 507. Ouais. Mais sur les BMW modernes, je pense qu'ils pourront jamais faire mieux. Ah non, là... Même s'ils retentaient le coup, en fait, ça aurait trop de pattes modernes, ouais. Ça ne marcherait pas. Ouais, là, ça, on ne sait pas où le mettre. Il y a un néo-rétro de réussite, complètement. Tu vois. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien d'acheté. De quelle année elle est, cette voiture? Eh bien, elle est de 2001. Elle était produite sur 2-3 ans à peine. Ouais. Donc il y en a eu très peu. Et après, 2003, on arrive sur la Z4. Non, 5000 et quelques, avec les Alpina. 5000. Oh là 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 là, 5000 modèles seulement. On a la chance d'en avoir une sur Essai Libre. C'est un import ou c'est... Oui. C'est un véhicule qui Allemagne. Vient d'Allemagne. Allemagne, ouais, forcément. Cette voiture, elle est folle de design. C'est une folie, c'est magnifique, regarde ça, ce galbe du feu, et là, ce petit truc proéminent à l'avant. Encore des feux clignotants orange, ça c'est de bon ton. Et puis là, c'est quoi, c'est un anti-brouillard, non, ça? C'est les pleins phares. Ça, c'est le plein phare. Ah, c'est superbe, il n'y a rien à dire. Et puis alors, on retrouve l'avant un petit peu requin, comme ça, tu vois. Oui, c'est... Avec les haricots très étirés, très plats. Mais voilà, très plat, et pff, ouais, c'est... L'inspiration, ça a été... Une BMW ancienne, C'est la 507. C'est la 507, ce que tu disais là. Comme Elvis. Elvis en avait une 507. À l'époque, c'était une voiture qui était en demi-teinte. Certains la trouvaient sous-motorisée, tout ça. Mais bon, c'était quand même une belle voiture. Et on y retrouve énormément d'éléments de design propres à cette voiture. Les haricots très plats, très étirés. Ouais. On y retrouve. Sur les côtés les répétiteurs. Ces non, mais ça, c'est dingue. C'est extraordinaire. Ça, c'est dingue. Temps, il va de là à de là. C'est dingue. Bon, en vrai, ça éclaire que de par là, et après, ça vient se refléter jusqu'au bout. C'est une ampoule. C'est ça. Tu peux nous l'allumer, là, rapidement, qu'on voit... Tu vois, on aurait l'impression que c'est une LED, tu vois, qui va s'allumer. Et c'est dingue d'avoir fait ça au début des années 2000, quoi. Ouais, c'est une ampoule, mais c'est pas grave. Et ça, ça a vraiment une fonction, tu penses? Je ne pense pas. C'est du factice. Mais c'est propre, parce qu'on a une petite grille, on a vraiment l'impression mais que oui, ça pourrait mais marcher. Mais c'est tellement beau, avec le logo BMW comme ça sur le côté, magnifique. Et vu que je suis là positionné, tu vois, j'ai juste qu'à décaler vers la gauche pour voir la monte pneumatique quand même, qui pour l'époque est pas mal, hein, 245-45 R18, et derrière, tu es plus large. Un petit peu, oui. Parce que c'est une propulsion. On est en 275. 275-40 R18. C'est une belle propulsion. Ouais. Ouais. Comme on les aime chez BM. Hein. Ces petits rétros chromés, magnifiques, la poignée. Tout est dans le souci du détail. Tout est dans le détail. Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, c'est vrai, aujourd'hui le chrome c'est plus trop à la mode, mais là ça va tellement bien avec la forme de la voiture. Et cet arrière. Pff, ah ouais, alors là le galbe. Ce galbe qui est ici. Alors là le galbe. Avec la ligne de carrosserie qui filme. Mais c'est sensuel en fait. Ah mais très. Ah, mais, on est vraiment tout dans la courbe. Ah non mais. On est. Mais carrément. Et aujourd'hui, tu sais, comme moi, l'automobile moderne, c'est des angles, c'est anguleux, c'est des arêtes. Ouais, bien sûr. Mais... Ça peut avoir son charme aussi. Non, mais ça mais peut, pas surtout. Ça peut avoir son charme, mais moi je suis désolé. Je suis plus fan de cette sensualité courbée. Ouais. Si on peut le dire. Ouais. Tu vois. C'est pour ça que je déborde d'enthousiasme, parce que quand je vois ça. Et puis, jusqu'à l'arrière. Regardez ça. Jusqu'à l'arrière et ses sorties de peau. C'est pas d'origine ces sorties de peau. Si. Si. Les sorties sont d'origine. C'était comme ça. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais aller voir en dessous. Tu sais comment ça se passe sur Essai Libre. On va voir les dessous tout le temps. Je donne ma personne. Oh mon Dieu, mais c'est complètement calfeutré. Il n'y a rien. La carrosserie va très loin. Mais c'est dingue. En fait, c'est super bas. C'est complètement fermé. Et il y a juste les canules qui ressortent. Mais moi, je trouve que c'est super chic. C'est super. Ces feux arrière sont magnifiques. On dirait un concept car 2024. Alors,
c'est bien un concept car à la base, ouais. Pas 2024, ouais, hein, ouais, ouais. Mais à la base, c'était un concept car présenté au salon de l'automobile et les gens se sont dit, mais en fait, c'est trop génial, on en veut, on en et veut, ils l'ont fait. On en redemande, mais attends, c'est des LED? Non, c'est pas de la LED, c'est un genre d'halogène, c'est du gaz en fait. C'est du gaz? Ouais. Ah ouais, tu peux nous l'allumer? Oui. Moi, je suis toujours, je suis fan de signatures lumineuses aussi, tu vois, j'aime bien voir. C'est un gaz, c'est un espèce de néon alors? Mais putain, on dirait vraiment de la LED. Mais c'était vachement précurseur à l'époque, quand même. Je savais même pas que ça avait existé, en fait. Ouais, ouais. Et franchement, pourtant, ça fait complètement LED. Hein. Mm. Et c'est comme un petit tube de néon, en fait. Il y en a deux. Ça donne cet effet-là. Ouais, ça donne cet effet-là. Bah, je ne savais même pas que ça avait existé, tu vois. Ça, c'est un feu de recul. C'est l'antibrouillard. Ah, ça, c'est l'antibrouillard. Le feu de recul est de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Et l'antibrouillard, t'as vu? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, un quadrillage. Oui, quadrillage rouge, et je serais pas surpris que ce soit... Pour le feu de recul, en fait. Parce que comme tu le vois, le feu de recul, eh ben, il est rouge aussi. Ouais, et son quadrillage est rouge. Et le quadrillage est rouge. Pourquoi, je pense, c'est pour lui donner cet effet visuel éteint. Il est rouge. Oh là là. Une belle symétrie de design et de couleur. Ouais. Et quand on met ça, eh ben, en fait, il est blanc. Légèrement teinté rouge, mais il est blanc. Mais il est blanc. Et alors là, c'est une réussite parce qu'ils n'ont pas voulu faire quelque chose qui dénote dans les couleurs quand tous les feux sont éteints. C'est ça. Et ça, c'est le souci du détail, ça s'appelle... Il y a des tonnes de détails. Il y a un crochet de remorquage sur cette voiture. Ah bon? Alors oui, il est où? Le capsule est caché là. Oh, dans trop fort, trop fort. Ah ouais, t'as juste qu'avec un petit tournevis à enlever là. Il y a un petit clip ici, clac, on en... là, j'enlève avec l'ongle. Ouais. Et on accède à la petite trappe du... Pour aller mettre ton truc de remorquage. C'est ça. Trop c'est fort. Aussi... Moi, ce que j'aime bien sur ces jantes, c'est que ça rentre à l'intérieur. Tu vois, oui. le dessin rentre vers l'intérieur, j'ai toujours trouvé ça très joli. On voit ça fait trop... ressortir un peu plus le pneu en fait. Mais oui, on voit plus tellement ça, j'ai l'impression, aujourd'hui sur les voitures modernes. Moins, les rayons et tout ça des jantes sont vachement plus affleurants. Ouais, en fait. Ouais, exact. Alors, ça a un style, c'est joli aussi. Mais bon, par contre, quand il y a un trottoir, bah, vous n'abîmez pas que le bord de la jante. Et c'est ça. Et donc là, t'es un peu plus protégé quand même. Ouais. Si tu veux bien, on va regarder quand même le cœur du sujet. Du Saint-Vérin. Putain, la longueur du capot, la longueur. Oh, Saint-Vérin, quand tu nous tiens. Et alors là, la lumière fut... Petite lumière. Saint-Vérin éclairé, priez pour nous. Ah oui, oui, il est Saint-Vérin éclairé, alléluia. Oh là 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 là. Mais là, c'est beau, Le V8, ah, oui. 5 litres Pouah. De la M5, ah, un atmosphérique, comme on n'en fait plus. Pur et dur. Double admission. C'est absolument superbe. Et on voit là, la taille du bloc de chaque côté, la forme en V. Écoute, ce bloc, on dirait vraiment que ta voiture, elle est neuve, elle sort de la concession, c'est incroyable. Elle est très très propre. Ah ouais, elle est très très propre. Combien de kilomètres elle a? Elle a 65 000 km à peu près, 36 bon, peut-être. Ça va, elle termine tranquillement le rodage. Et après, c'est vrai qu'elle a quand même quelques pièces neuves. Ah. Parce qu'on a, changé le petit bocal ici. Ouais. Donc le vase d'expansion, c'est une pièce que j'ai changée en fait, parce que quand elle est d'origine, sur toutes les Z8, il jaunit. À cause de la chaleur et du temps, en fait, il devient jaune, pas très beau. Ouais, quand tu ouvres ton capot, tout est beau, sauf ça. Sauf ça, c'est une pièce qui est pas belle. Ouais. Et après, moi, j'ai aussi fait rajouter ceci. Et ça, ça y était pas. Avec des éléments comme là, c'est ce qu'on appelle le kit de renfort de train avant. C'est une pièce officielle BMW qu'ils ont développée et commercialisée suite à certains petits soucis qu'avaient certaines Z8 qui roulaient beaucoup, notamment sur des routes de mauvaise qualité. Ah. Le train avant faisait... Ah oui, d'accord. Eh oui, il faut rigidifier donc un petit fait, peu tout ça. En fait, pour rigidifier, ils ont créé cette pièce-là avec des renforts de coupelle, la barre. Et en termes d'entretien, bah, franchement, c'est un V8 de BMW atmosphérique. Donc en fait, il n'y a pas de spécificité particulière. Ça s'entretient comme une M5. C'est fiable. Et c'est des bons moteurs. C'est des bons moteurs, c'est bons fiable. Moteurs. C'est ça qui est parfait, c'est que c'est fiable cette histoire. Écoute, on a vu. Merci à toi. On n'en a pas parlé, mais ça fait 400 chevaux cette affaire, c'est ça? Ouais. 400 chevaux, 5 litres, 400 chevaux, 500 Nm de couple. Tu te rends compte? En 2001, ça? Ce type de tableau de bord complètement... À compteur décalé? À compteur décalé, central. Je vais montrer ça de plus près avant d'aller faire un petit tour après. Mais déjà, il y a des trucs. Tu vois, ça va, quand tu ouvres ta porte, ben voilà, tu as ton seuil BMW, c'est noté. Tu as deux seuils, là et là. Ouais, double seuil. En aluminium. Il n'y a rien à acheter, rien. Même ça, les... Des petits rangements dans les portes, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y en a deux dans chaque porte, t'en as là, t'en as là, t'as la boîte à gants. Ouais, il y en a partout des rangements. Et puis, même un lève-vitre, un simple lève-vitre, ils n'ont pas fait comme d'habitude. Ils n'ont pas pioché dans les banques
d'organes de la marque, non, tu vois, ils n'ont pas pris un lève vide de je sais pas quel. Ils ont mis de la vraie matière, c'est froid. Ils ont créé, c'est quoi, c'est de l'alu, c'est, je pense, ouais. C'est du, ça, en tout cas c'est métallique, c'est magnifique. On sent. Regardez cette planche de bord, regarde ça. Planche de bord peinte, qui a la même couleur que les habillages ici. Alors, là, c'est peint d'une couleur carrosserie, c'est la même teinte que ta carrosserie. C'est plus foncé ça. Mais moi j'aime bien ça, tu vois. Quand un tableau de bord comme ça, il est peint, je trouve ça fait référence à d'autres années, mais c'est magnifique. Gainé entouré de cuir, entouré de beau matériau. Que du beau matériel. Mais regarde, on a ça, un siège chauffant. Ici. Oui, c'est chauffant, régulateur de vitesse. Petit commode ici. Ah ouais. Pareil. Mais c'est dingue. Regardez les commodos. Même ça, ils ont bossé ça de façon artistique. C'est pas un vulgaire Komodo en plastique. C'est les mêmes clés que les autres BMW. Ah ouais ? De l'époque. Ma Z4 avait la même clé à un détail près, c'est que celle-ci a un cache là et un petit cache derrière, estampillé Z8. Ah d'accord. Et du coup, on ne peut pas mettre de porte-clés. Ah oui ! Pour la simple et bonne raison que s'il y avait un porte-clés, ça gênerait. Il toucherait le tableau de bord. Et oui, et ça t'abîmerait ta planche de bord. Tous les compteurs, ils sont renfoncés à l'intérieur, mais surtout ils sont orientés vers toi, tous, les quatre, avec température d'eau, l'essence, kilomètre heure, contour et la pendule à l'intérieur. La petite voilà, il manque rien. Et regardez ces petits boutons là, ces tout petits boutons, mais ça c'est. Non mais c'est petits boutons de rien du tout. Ouais, mais c'est tout en finesse, tu vois, c'est raffiné, voilà, c'est le mot, c'est raffiné. Il y a des boutons essentiels. On retrouve encore des boutons. Ouais, mais il y en a pas des. Il y en a pas des masses. Le petit bouton. Ça fait toujours plaisir. Ah ça. C'est une boîte mécanique du coup. Oui. Elles sont quasiment que en boîte mécanique. En fait, les rares qu'on peut trouver en boîte automatique, parce que ça existe, c'est des Alpina. Qui étaient notamment destinées au marché américain. Et là, les Américains, ils aiment bien les boîtes automatiques. Ah oui, bien sûr. Surtout pour les longues routes. Ouais, mais franchement, cabriolet, V8, 400 chevaux, boîte mécanique. Ça oui, mon ami. C'est quand même vraiment sympa. Ça, je suis désolé de le dire, mais c'est la voiture ultime du passionné. Hein. Oui. Tu coches toutes les cases là. Mais j'ai envie d'essayer une boîte auto. Ah franchement, on m'a dit ouais, c'est moins bien, c'est pas le même V8 d'ailleurs, accessoirement, parce que ça passait pas avec la boîte. Et il est un peu modifié. C'est un autre V8 de BMW, mais pas le même, qui est un peu moins puissant. Ouais. Du coup, en fait, j'ai envie de tester, voir, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça. S'il y en a un qui en a une, je lui prête le volant de celle-là, il me prête le volant de la sienne. Tu fais bien, Artus. Un possesseur de Z8 boîte auto, mais venez, on va le filmer ce truc. Ouais. On va le faire, on le fait. T'as un cache, c'était pour la radio, qui est complètement accessoire. Ouais. En fait, ce qui est assez pratique, c'est ça. Oh, ça rend pile poil. T'as le bon téléphone. Pile poil, la coque, le téléphone. Ouais, il faut pas que tu changes de téléphone. Voilà. Hein. Il est où l'allume-cigare du coup ? Il y a un allume-cigare. Ah ouais. Juste ici. Donc c'est là. J'ai déjà une prise USB. Ouais. Mais c'est embêtant du coup. Ah parce ouais. Que j'écoute dessus. Ah ouais. Donc du coup, je vais demander avec mon garage qu'on vienne enlever le petit Motorola d'origine. Oh, qui est ici. T'avais ça. Ouais. C'est, ah ouais. Ça sert à rien. Faut le préciser. Ah ouais, c'est il y génial a un quand même. Qui est ici. Non mais c'est génial d'avoir ça. On est dans les années début 2000. C'est un collector ce téléphone. C'est extraordinaire. C'est un super. Il est génial. Mais oui, c'est un super collector. Faut que tu gardes ça précieusement. Je vais le retirer proprement, tout enlever et le garder précieusement. Et te mettre ici, une prise. Je vais mettre une petite prise USB. Ouais, t'as bien raison. Tranquille. Je crois que le développement de cette voiture, il a duré des années. Ils ont mis du temps pour la développer. Ils ont mis un moment, oui. Je saurais pas dire combien. Ouais, mais ils ont mis du temps, ils ont réfléchi et ça se voit parce que même le volant, regarde, tu vois ces petits détails là. Ça, c'est le néo rétro pur et dur, ça. Mm-hmm. Hein, voilà. Donc, écoute, il n'y a rien acheté. Comment ne pas tomber amoureux de cette voiture ? Comment faire ? C'est compliqué, je pense. Bah, c'est impossible. Est-ce qu'il y en a un qui va me dire que c'est moche dans les commentaires ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser faire ça ? Franchement, ouais. Ça serait dommage. Il va se faire massacrer si ouais, fait ça. Ouais, peut-être. Hein, il va se faire massacrer si c'est ça. C'est bon, que... mais moi, j'emploierai un mot pour ça. Je suis ébobie. Ébobie. Ébobie, voilà. C'est, il est beau celui-là. Hein. C'est un beau mot, ça. Ébobie. Ébobie, voilà. Maintenant, on va aller prendre la route un petit peu. On va savourer. En 5 secondes,
Vmax 254 km/h et quand on débride c'est 287 km/h. Ouais. Autant dire que ça envoie hein, quand même. Hein. Et là on va faire un petit départ lancé parce qu'on aime bien ça. Voilà. Je filme la main de Artus. Oh putain oh. De la santé dans tout ça, putain, ça envoie comme un merde. Ah, il y a du poumon, ça respire. Ah, le mode sport, il a aidé un peu, je pense. Ah ouais, non, c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Ouais, y a un truc, c'est que il n'y a pas énormément de turbulence. C'est efficace derrière. On a un petit fil anti-remous qui va venir casser le vent, je pense. Ouais, il est assez efficace, je pense. Aussi efficace qu'un plexi, mais je pense. Mais c'est pas mal, c'est pas mal quand même. Quand tu roules, toi, avec cette voiture. Tu cruises au volant, comme on dit dans le métier. Oui, c'est ça. C'est tranquille. Tranquillement. Profiter de la souplesse du moteur. Ouais. C'est agréable. Ouais, se délecter de la chantilly, finalement. C'est hein, ça. Comme tel, la chantilly. Moi, ouais, une question. Alors, Artus, on te connaît parce que t'es un vrai passionné. Et puis, ça fait plusieurs fois qu'on te voit. On t'a vu avec la Z4, notamment. On t'a vu avec... L4. Ah oui, ça je m'en souviens encore de ce que tu m'as fait. La route aussi s'en souvient. La route s'en souvient aussi, c'était extraordinaire. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir cette vidéo parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Un engin comme je les aime, américain, fou, de plus de 700 chevaux, hein, ta voiture. Hein. Ça, il faut aller revoir cette vidéo. C'est extraordinaire l'Amérique. C'est l'Amérique dans toute sa démesure, comme on l'aime. Ouais. Tu fais partie des grands passionnés, c'est libre. Ouais. Il y a des gens comme ça qui reviennent régulièrement sur la chaîne et qui font toujours plaisir. Qui aime partager. Bah qui aime. Ouais, voilà. C'est ça qu'on aime. Non fait. Mais ça. Mais c'est pas la voiture qui compte. Mais non mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi putain. Mais ça fait plaisir d'entendre des paroles comme ça tu vois. Quelqu'un qui vient partager comme ça, c'est très précieux. Moi ça me fait plaisir et puis ça vous fait plaisir au bout de la caméra de voir des beaux modèles comme ça. Si t'as acheté une Z8, c'est pour ton amour des films. Ça a joué ça ou pas? Oui. Ah c'est ça. Hein. Alors toi parce que plusieurs facteurs ont joué. Ouais. Déjà les films. Parce que oui, en effet, James Bond. Je suis un peu cinéphile, mais oui, bords, mais si je suis pas très connaisseur en soi de tout. Ouais, ouais, mais sûr. Oui. Donc quand j'étais jeune et que j'ai commencé à regarder James Bond, le James Bond actuel, c'était Pierce Brosnan. Et ça t'a marqué avec la BM. Et en fait, lui, il a eu Aston Martin, mais ah oui. D'abord, lui, il était en contrat avec BMW. Ah oui. D'où Z3 et il a eu la Z8. Dans le monde ne suffit donc, pas. Donc c'était Pierce Brosnan qui conduisait c'était sa Pierce Brosnan. D'accord. À ce moment-là, ah, la ouais. voiture n'était pas finie. Tout ce que les designers ont pu envoyer à la prod, ce sont des coques en fibre de verre de la carrosserie dont seules les portes s'ouvraient. Ah bon? Le capot, rien qui s'ouvrait. Ah ouais. Les gars, ils ont posé ça sur châssis. Des châssis de répliques d'AC Cobra avec des V8 Chevrolet. Parfait. Alors, qui dit cabriolet, dit un petit peu de voyage quand même. Alors, moi, je suis curieux. Voyons le coffre. Eh ben, c'est assez bluffant. C'est quand même pas si mal. Hein. Parce que la capote, elle est ouverte. Elle est même compartimentée en permanence, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est top. Elle vient pas amputer le coffre. Et il est profond. Bon, il est profond. Le sac passe dans sa hauteur, par mais exemple. Mais oui, mais oui. Carrément. Donc, il fait un sac de haut. Ouais, il y a du litrage. Deux sacs dans le... Il y a du litrage. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois, là, sur la... Qu'est-ce que c'est? C'est la maquette. Ici, on a la miniature d'origine fournie avec la voiture. Ouais, il l'a donné avec, et ça, c'est, moi je trouve que c'est une super attention. Quand tu achètes une voiture exceptionnelle comme ça, ça fait toujours plaisir. On a exactement la même configuration, les jantes, la couleur intérieure-extérieure, que le modèle vendu. Et tu as les étriers dorés là, sur celle-ci? Alors en fait, d'origine, ils sont un peu dorés cuivrés. Mais là, ils ont noirci. Les miens sont dorés rouillés. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai oublié de les peindre. Ah d'accord, mais bon, tu referas ça plus tard. Oui. Non mais ça serait, c'est vrai que ça serait joli en, fait, oui. En or un peu comme ça. Bah, j'hésitais à les remettre plutôt en gris ou en noir, ah, ouais plus classique, ah, plus sobre, d'accord. Plus facile à entretenir aussi. Ah oui parce que c'est vrai que pour nettoyer l'avantage ça... L'avantage du noir au moins c'est que ah, bah, si ça se salit c'est pas trop grave. Tu le vois pas trop, t'as raison. Chez Xurel on peut voir les dessous. Ah bah voilà comment voir les dessous sans se baisser, tu vois, c'est bien foutu hein. Il y a une belle ligne. On hein. voit que ça revient quand même vachement. Et les gamelles sont bien cachées quand ah, même. Ah ouais mais c'était impossible d'aller les voir, hein. j'ai pas pu, j'ai donné de ma personne mais j'ai pas pu aller les voir. Et là on voit la config, voilà. En direct, bah merci Artus. Donc tu as la maquette qui va avec. Et ça, avec c'est le top. Moteur et tout. Oh, hein, ouais, tout est bien réalisé. Bien. C'est quelle marque la maquette? C'est une Maisto. Maisto. Ouais, très Made bien. In Thaï. Et alors tu lui vois des défauts quand même? Est-ce qu'il y a un défaut à la conduite ou qui te gêne?
Pas spécialement en fait. La ouais. boîte est un petit peu dure à froid. Ah ouais. Éventuellement. Ouais. C'est. Mais sinon, non, c'est une bonne voiture. Elle consomme environ 14 litres au 100 d'après le peu de plein d'essence que j'ai fait pour l'instant. 14 litres au 100. Donc ça reste plutôt correct, on va dire, pour ce que c'est. Ouais, je comprends. Bah oui. Attends, voilà, ça reste un V8 un peu ancien. Donc du coup, oui, c'est pas aussi bien réglé que ce qu'on pourrait espérer. Est-ce que, je le demande, mais t'es pas obligé de dire oui encore une fois, hein, mais est-ce que je peux en prendre le volant quelques instants? Est-ce que je peux te faire confiance? Ah, il est trop fort, j'adore. Franchement, j'ai envie de dire, après t'avoir prêté 700 chevaux compresseur, c'est vrai. Je pense que je peux bien te prêter 400 atmosphériques. C'est vrai que tu m'avais prêté 700 chevaux compresseur. Putain, c'était dingo. Faut que je regarde de nouveau cette vidéo parce que... Ah ouais, il y a des vidéos comme ça qui restent gravées. Déjà, rien là, t'étais assis là comme ça, on est dépaysé parce que quand tu regardes en face, bah, il n'y a pas de compteur, tu vois. Ils sont là, voilà. Et alors, l'orientation, du coup, quand on est conducteur comme ça, voilà, je vous mets la position de mes yeux. Ça ne change pas, en fait. Mais non, mais un petit coup d'œil, on voit ils sont quoi, super orientés de bonne manière, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour comprendre les choses. Hein. La direction assistée, elle est peu assistée en fait. Non, non. Ah, je crois que c'est une hydraulique. Ah ouais. Ah, oh, c'est zénifiant, franchement, c'est une thérapie cette voiture. Ah, oh, ça me calme. Hein, c'est agréable. Ouais. Hein. Ah, c'est super. T'as même pas forcément envie de rouler mais fort. Mais non, je suis d'accord. T'as envie de relancer, mais c'est pas trop fort. T'es vraiment chic. Tu la laisses monter un peu dans les tours, mais tu la maltraites pas. Tu la... Tellement chic. Je vais accélérer un petit peu quand même pour sentir. Parce que les contours, ça monte à 7000 quand même. Hein. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Mais alors, elle a une super tenue de cap. Putain, la vache, c'est un rail le truc. Moi, j'ai même pas passé la cinquième, alors qu'il y a même une sixième. Oh là là, écoute, ouais. Écoute la relance en 6. Bon, bah, régime, le moteur est un peu plus rauque. Oh. Ah ouais. Celle-là n'est pas d'origine non plus. Ah, et c'est quoi, c'est l'échappement? Eh bien, oui, en l'occurrence, l'échappement est en partie. En fait, c'est pas grand-chose. Franchement, ça a été fait simplement, sobrement. Ils ont remplacé les gamelles d'échappement à l'arrière par quelque chose d'un peu plus expressif. Ah d'accord. Mais en fait, on sent ça gronde. D'après un spécialiste, ça gronde. Ouais, mais c'est ça qui est agréable en fait. Mais oui, mais. C'est-à-dire, faut se dire que d'origine, en fait, t'as pas ça. Sans accélérer très fort, hein. Non. Sur le ralenti, oh, ouais, j'adore. Filet de gaz. Oh. Ça, c'est. On est à peine plus de 2000 tours minute, mais oui, on l'entend un peu chanter. On a des ressorts courts, en fait. Ah. Elle est légèrement plus basse. Ah, elle est rabaissée un petit peu. Et elle a aussi un autre détail que moi, j'aurais. Enfin, en fait, au final, la voiture, elle est comme j'aurais bien voulu la voir. Ouais. C'est con, mais. Elle a aussi des cales d'élargissement en haut. Ah, ça, je ne le savais pas. Je l'ai acheté tel quel. Ça, tu le savais je pas. Je ne savais rien de tout ça. Et au final, je me dis, bah, c'est vachement bien. Parce que je l'aurais fait, en fait. Petit compteur comme ça, en action. Petite vitesse, c'est beau. C'est tellement beau. Et cette vue du capot. Et cette vue dans le rétro aussi. Tout est beau. Voilà. Tout est beau. Nous avons un ami motard. Réunit vraiment personnellement tout ce que j'aime, tu vois, la beauté automobile, le cabriolet, le V8, il y a tout. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut parler tarifs ou pas? En France, ouais. En dessous de 200 000, ouais. Faut se lever de très très bonne heure. Ah, la vache. En France, elle vaut facilement entre 200 et 250. D'accord. Bon bah écoute, ouais, tu m'as laissé le volant d'un beau pigeon. Voilà. Je dirais pas combien je l'ai payé. Ouais, non mais. Elles sont pourvues d'un hardtop avec son support et tout ça. Et ce hardtop vient se poser en lieu et place de la capote, replié comme ça. Ouais. On vient le mettre ici et là. Ah ouais, t'as deux attaches là possible. C'est ça. Ouais, c'est bien fait. Hein. Et après, ça te fait un magnifique fait coupé. Un coupé avec une vraie vitre arrière du coup, qui a un dégivrage en plus. Ah oui, en plus. Et des petites pointes fuyantes qui viennent là comme ça. Regardons quand tu recapotes le style que ça donne de la voiture. C'est toujours le moment de grâce. Et voilà, ça prend pas longtemps. Est-ce que ça marche en roulant? J'ai jamais essayé. D'accord, bon. Écoute, la capote, elle est dans un état neuf, elle a été changée certainement, non?
Alors, elle n'est pas dans un état neuf complètement. Ouais. Mais elle a été, comment dire, elle a été entretenue, nourrie. Ah ouais, nourrie. Ouais. Pour être retrouvée de la couleur et de, et de l'étanchéité ouais, aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, puis la vitre, elle derrière, elle n'est pas jaune, tu vois, parce que souvent, tu le juges à ça aussi, l'ancienneté. Ouais. Ça jaunit. Ouais, c'est sûr, c'est différent, mais moi j'ai une préférence quand elle est décapotée, très clairement. C'est sûr, mais après elle est sympa. Et avec le hardtop, ça fait un coupé. Ouais, t'as un vrai coupé avec le hardtop. Écoute, merci pour cette démo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vois pas, quand on est passionné, je vois pas comment on ne peut pas aimer cette vidéo. Bon Dieu, c'est pas possible. Il faut l'aimer. Ouais, il faut la liker aussi. Il faut la liker aussi, bien sûr. Et puis alors, c'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café, donc si t'es pas abonné, t'hésites pas à le faire. Voilà, ça coûte rien, hein, donc c'est juste de la passion automobile, diverse et variée. Il y a de tout sur cette chaîne, comme son nom l'indique, et c'est libre, on fait ce qu'on veut. Puis bah, je vous laisse aller voir plein d'autres vidéos, il y en a 750, alors vous avez de quoi faire, hein, il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas, Artus, un grand merci encore pour ta visite. Et puis c'est pas la dernière fois qu'on se voit, parce que toi t'es un fidèle. Non, oh non, voilà là, oh là là. J'ai d'autres trucs en oh, tête, oui, forcément des voitures à moi, mais... Non, puis tu fais partie de la famille, et c'est libre, des fidèles qui viennent souvent partager leur passion, et moi ça me fait tellement plaisir. En attendant, portez-vous bien, on continue à vivre sa passion, c'est bien le plus important, et à très bientôt. À bientôt. Bisous, ciao.